Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit haul, enfin si on peut appeler ça un petit haul. Je suis descendue en ville aujourd'hui et je suis allée voir faire un petit tour à Action dans mon petit magasin. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, le rayon scrapbooking n'est pas fermé chez nous. Donc j'ai trouvé les nouveaux tampons d'Action. Donc il y avait 4 planches d'après la vendeuse. C'est les nouveaux, d'après elle, c'est les nouveaux qui sont mis en vente. Donc je vais vous les montrer un petit peu et puis j'ai fait quelques tampons, quelques échantillons et je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, ils sont 4. Donc il y a celui-là. Celui-là. Voilà. Donc, je vais commencer par le numéro 1. Donc, sur ma fiche, je vous ai fait des fiches. Donc, le numéro 1, c'est cette planche. Donc, c'est celui-là. Je le cherche. Il est où? Il n'est pas très loin. Il suffit que je le trouve pour vous le montrer. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc, je l'ai tamponné. J'ai fait quelques tampons pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, je vais prendre un petit stylo. Donc là, il y a une petite citrouille, un petit papillon, il y a des petites inscriptions, il y a un petit cartable, une petite théière, des tasses à café. Des libellules, il y a un petit arc, il y a des étoiles, des petits papillons, des petites chaussures, voilà, des petites chaussures, il y a aussi des pains de cake, il y a des petites fleurs, des grandes fleurs, un quart de pastèque, des bonbons, voilà, c'est assez divers. Voilà, ça, c'est cette planche-là. La deuxième planche. Alors, la deuxième planche, la voilà. C'est celle-ci. Voilà. Donc, qui représente le calendrier. C'est marqué un titre, c'est marqué calendrier, parce que je pense qu'il y a, voilà, qu'il y a pas mal de tampons qui représentent un peu les nombres déjà. Donc là, il y a des petites ailes, des petites ananas, des glaces. Il y a beaucoup d'inscriptions en anglais. Donc il va falloir que vous preniez votre dictionnaire pour voir un peu ce que la traduction, à moins que vous parliez vraiment l'anglais. Donc là, je vous en ai fait un. C'est marqué « Mais je pense que je t'aime ». Donc là, calendrier, donc c'est calendrier, il n'y a pas de souci. Celui-là, c'était Witch Leech, c'était liste de souhaits. Voilà. Et les autres, j'ai laissé, ça va vous amuser un petit peu le week-end si votre action est ouverte vendredi. Alors, en bas, il y a toutes les lettres de l'alphabet, donc de A, B, C jusqu'à Z. Et il y a aussi quelques petites agrémentations à mettre, voilà. Celui-là, c'est le numéro 2. Donc, c'est celui-ci. Le numéro 3, c'est celui-là. Donc, le numéro 3, il faut que je vais vous le trouver. Donc, c'est spécial, ça doit être celui-là. Voilà. Même pas. Je dois l'avoir, le voilà, le numéro 3, c'est celui-là, voilà. Et celui-là, il y a les 7 jours de la semaine en anglais, donc Tuesday, lundi, mardi, mercredi, jeudi, Saturday, samedi, dimanche, etc. Donc, je vous les ai fait un peu, donc il y a des petites compositions de fleurs, donc comme je vous le disais, des tampons avec les jours de la semaine en anglais, ils y sont.
il y a des petites bandelettes, voilà, j'appelle ça des petits drapeaux, des petits. Là, vous avez des nuages, des petits oiseaux, des nœuds, vous avez un collier, vous avez des oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux sur celui-là. Donc, vous avez beaucoup de cœurs aussi. Il y a aussi des petites bulles pour mettre des petits sentiments. Donc, voilà. Il y a beaucoup de flèches aussi. Voilà, il y a des flèches aussi. Donc, des cœurs, voilà. Et il y a les nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je crois. Voilà. Celui-là, le troisième, ça représente celui-ci. Voilà. Et le dernier, le quatrième, je pense que c'est plutôt du jardinage. Donc, voilà. Je dis jardinage parce qu'il y a des champignons, une petite salopette, et c'est marqué Mi Garden, qui veut dire, je l'ai traduit, jardin. Donc, voilà. Et quand je vous prenais la planche que j'ai tamponnée, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de fleurs, un petit chat, il y a un petit fauteuil de jardin, des feuilles, un appareil photo, une petite salopette, il y a des bottes aussi. Voilà, des escargots, des petites fraises, des feuilles, des pots, un cactus. Et il y a la main droite et la main gauche. Il y a pour bêcher, donc il y a la pelle et la fourchette. Ça s'appelle comme ça, je pense. Et là, vous savez, il y a c'est le qu'on met dans le jardin, le petit chapiteau avec des fleurs. Il y a une niche à oiseaux. Il y a un arrosoir avec des fleurs. Donc là, c'est marqué thank you, merci. Là, on le sait. Et you are amone. Bon, je fais. Non, non, non. Ça veut dire vous êtes incroyable. La Mi Garden, c'est mon jardin. I love, j'aime. Donc là, spécial day, jour spécial. J'ai traduit un petit peu. Voilà. Je suis pas très, très bonne en anglais. Bon, le français me convient parfaitement. Voilà. Donc, celui-là, c'est cette planche-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces tampons? Ben, écoutez, moi, je trouve que déjà, pour le rangement, ils sont très pratiques à ranger parce que vous avez qu'à les mettre l'un sur l'autre. Chaque tablette l'une sur l'autre et vous pouvez les mettre dans une boîte. C'est beaucoup mieux que ceux qui sont en bois, qui demandent de la place. Deuxièmement, je trouve qu'ils sont pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve que les détails, on les voit bien, etc. Et que ça peut toujours personnaliser une carte, un album. Donc, et en plus, le plus attrayant, c'est le prix. Donc, 99 centimes d'euros, je trouve ça imbattable. Donc, je trouve que c'est un achat pas mal. Donc, j'espère qu'il vous aura plu et que vous courrez vendredi, je ne sais pas si ça ouvre vendredi ou samedi, si les magasins ouvrent et que vous les aurez dans vos actions. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.